Je m'appelle Thomas. Je ne croyais pas aux esprits jusqu'à ce que je décide de mener des investigations. Dans mon émission, vous pourrez me suivre avec mon équipe spécialisée dans le paranormal. Nous nous rendrons dans des lieux dits hantés où nous resterons des heures à tenter de capter, à l'aide de nos caméras et nos outils, le plus de preuves possibles sur l'existence d'une vie après la mort. Alors si vous êtes prêts, suivez-nous pour un nouvel épisode de PNL. Bonjour, ici Zach Bagans de Ghost Adventures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de PRI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un lieu avec un passé assez triste. Derrière moi se trouve un sanatorium abandonné depuis déjà quelques années. Construit à partir de 1899, ce sanatorium a abrité beaucoup de patients. À l'époque, on tentait de soigner la tuberculose, qui est une maladie infectieuse qui touche particulièrement les poumons, par une thérapie. Une thérapie qui consistait au bon air, beaucoup de repos, une bonne nourriture. Les patients devaient suivre un programme strict et rigide. Ils devaient suivre les horaires précis qui indiquaient l'heure du lever, l'heure du coucher, les soins, les heures de repos. Malgré cette thérapie, le sanatorium était un mouroir. Beaucoup de patients sont morts dans l'enceinte de cet établissement. Ce soir, mon caméraman Alex et moi-même allons passer plusieurs heures dans ce lieu afin de capter, grâce à nos caméras à vision nocturne ainsi qu'à nos appareils, la possible existence d'une vie après la mort. Ce soir, nous placerons une caméra statique à vision nocturne qui filmera ce couloir en continu pour tenter de capter une ombre ou un phénomène inexpliqué. Bonsoir à tous, donc ça y est, la nuit vient de tomber, l'heure de l'investigation paranormale peut commencer. Donc si vous êtes prêts, suivez-nous pour un nouvel épisode de PRI. C'est ici, je crois. Ça me dit quand c'est bon. Okay. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un de présent avec moi ici? Y a-t-il une arme? Si oui, pouvez-vous toucher l'un des dispositifs que j'ai dans les mains? N'hésitez pas à vous approcher, on ne vous veut aucun mal, ces appareils ne font que de la lumière. Y a-t-il une âme présente ici avec nous? Si oui, n'hésitez pas à vous manifester. On voit pas l'autre. Tu vois pas? Non, comme ça, si. S'il y a une âme présente avec nous, pouvez-vous toucher l'un des dispositifs qui est ici, s'il vous plaît? Oh, t'as vu? Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous retoucher le K2, s'il vous plaît? Allez-y, n'ayez pas peur, vous avez bien vu, ça ne fait aucun mal. S'il y a quelqu'un avec nous ici, pouvez-vous retoucher, s'il vous plaît, le dispositif? Tu l'as capté ou pas quand il a...
Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Pouvez-vous retoucher, s'il vous plaît, le K2? Vous venez de le faire à l'instant encore. Tu vois? Pouvez-vous retoucher, s'il vous plaît, le K2? Oh, t'as vu, ça recommence. Pouvez-vous toucher l'autre appareil, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est le mien qui bouge, c'est le K2. Pouvez-vous toucher, s'il vous plaît, le dispositif Oh, il a bougé. Il a bougé, je crois. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nam, ici, avec nous. Si oui, pouvez-vous toucher un des dispositifs que j'ai dans la main? Est-ce que vous êtes un enfant? Oh, oh, oh. Vous êtes un enfant? Si oui, pouvez-vous toucher le K2, s'il vous plaît? Ouais, donc c'est un enfant. Est-ce que vous êtes décédé ici, s'il vous plaît? Si oui. Oh, t'as vu? Alors là, je vais placer un pod au niveau des escaliers. Allez, je coupe le son. Donc là, je vais placer un pod au niveau des escaliers. Donc un pod, dès qu'on s'en rapproche, dès que quelque chose se rapproche, il fait une lumière bleue et un bruit quand même assez fort. Donc si il y a quelque chose qui passe à proximité du pod, on va pouvoir le capter. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous vous approcher de l'appareil là-bas? Ça fait juste un peu de bruit et une lumière bleue, mais ça ne vous fera aucun mal. Allez-y, n'ayez pas peur. Je vais tenter une séance de speedbox. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Bonjour. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es là? Si tu es là, est-ce que tu peux toucher ce dispositif-là? Y a-t-il quelqu'un avec nous? J'ai entendu, il me semble que ça a dit moi. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça a dit moi. Tu es un enfant?
Pour sa proximité, si le son n'est pas terrible. Comment est-ce que tu t'appelles? Il y a une âme avec nous. Je m'appelle Thomas. Et toi, comment est-ce que tu t'appelles? Donc. Nous avons eu quand même quelques résultats avec le détecteur K2 EMF. Et si je ne me trompe pas, je regarderai les rushs, il me semble aussi qu'on a eu un petit résultat avec le Trifield, donc qui est un détecteur EMF beaucoup plus précis que le K2. Ensuite, nous avons fait une séance de Spirit Box, où c'est que nous avons entendu quelques mots, mais pareil, le problème avec la Spirit Box, c'est que ça peut capter aussi des ondes radio. Donc, est-ce qu'on a entendu des ondes radio? Je ne sais pas. Là, on va continuer l'enquête, on va monter dans les étages pour tenter de capter encore d'autres âmes et on va essayer. On va aller installer la caméra statique à vision nocturne dans le couloir qui est tout en haut, comme ça elle va pouvoir filmer en continu, comme je disais auparavant. On va pouvoir filmer en continu le couloir et avec un peu de chance, on arrivera peut-être à capter une ombre ou quelque chose d'inexpliqué. On va essayer de voir. Donc la caméra installée, maintenant elle va tourner en continu. Essaye de filmer quand même. Y a-t-il une âme présente ici avec nous? Donc, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas seuls sur le lieu. Il y a d'autres urbexeurs qui sont présents. Laissez-moi.
des raisons évidentes, on n'a pas pu laisser la caméra au dernier étage parce qu'on n'était vraiment pas seul. Et j'ai pas envie de laisser mon matos et de me le faire piquer ou qu'on me le broye. Donc je prends la caméra là, vision nocturne avec moi, et on va essayer de continuer à progresser dans le sanatorium. Je vais prendre le cadet. Y a-t-il une âme présente avec moi? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif que j'ai dans la main droite, s'il vous plaît? Ok. Y a-t-il une âme de présente avec nous? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif que j'ai dans ma main, s'il vous plaît? S'il y a une âme présente ici, pouvez-vous toucher le dispositif que j'ai dans ma main droite, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Y a-t-il une âme présente avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait rentrer en communication avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait rentrer en communication avec nous? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous sur le cadeau. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il une âme encore présente avec nous dans ces lieux? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif qui est posé sur la piscine, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif? Y a-t-il une âme présente avec nous? Si oui, pouvez-vous toucher l'un des dispositifs qui se trouve sur la piscine? N'ayez pas peur. Est-ce que l'ombre vous gêne? Si oui, pouvez-vous toucher le dispositif? Y
Y a-t-il une âme présente avec nous? Si oui, pouvez-vous toucher l'un des dispositifs présents au niveau des escaliers? Pourquoi je vois des morts? Je vois bien. Donc là, mon téléphone a bugué, il vient de planter en fait, et j'ai dû le redémarrer. Enfin, il s'est redémarré même tout seul. Donc ici, nous avons eu des résultats un peu plus tôt dans la soirée, mais là, pour le moment, c'est néant. On n'a rien du tout au niveau des détecteurs EMF. Donc on va changer d'endroit, on va essayer d'aller dans d'autres pièces pour tenter de rentrer en communication avec des âmes. Allons-y. Quelqu'un avec nous de présent? Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il une âme présente ici avec nous? Faudra aller de l'autre côté. De l'autre côté, tu crois? Je pense. On n'a pas trop fait de l'autre côté. Y a-t-il quelqu'un de présent avec nous dans cette pièce? Si oui, pouvez-vous toucher l'un des appareils que j'ai dans les mains? Ou faire un bruit? On se trouve actuellement dans l'autre partie du sanatorium, donc pas la grosse partie principale, mais dans la petite partie juste derrière. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une âme présente ici avec nous?
sais à quoi ça ressemble ici? Truc de douche. Salle des douches. Parce que j'ai pas payé. Vas-y, quelqu'un? Je vais tenter quelque chose. Coupe la caméra. Donc là, je vais tester une séance de caméra SLS pour voir si on arrive à capter quelque chose que nous, on ne verrait pas à l'œil nu. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Vous touchez moi, s'il vous plaît. Oh, j'ai peut-être capté un truc à côté de toi, Alex. Demande à ce que ça s'approche de toi. Et ça se met à ta droite. S'il y a quelqu'un, approchez-vous. Touchez-moi. Coupe ta lampe torche. À ta frontale. S'il y a quelqu'un ici... Bon. J'ai capté quelque chose par là, Alex. Il y a quelqu'un à côté de toi, gros. C'est vrai? Ouais, tout juste là, sur ta droite. Il y a quelqu'un à côté de toi, Alex. Enfin, ensuite, je sais pas si ça capte. Parce que ça, je me demande si ça capte pas, tu vois, tout juste là, t'as ça. Ici. Et attends, tu vois, ici. Regarde. Si tu regardes bien, ça capte aussi ça. Ça capte ça comme, tu vois. Non, ça capte ça comme quelqu'un. On tentait, avec une caméra SLS, de capter, voir si on pouvait avoir une présence avec nous, mais ça n'a rien donné. En fait, on a cru pendant un temps qu'il y avait une âme de présence, mais elle détectait ce tag comme une personne. Vous voyez ici, en fait, la tête et ici, le corps. Donc, rien de paranormal là-dedans. Y a-t-il une âme présente avec nous? Y a-t-il quelqu'un qui désirait rentrer en communication avec nous? Si quelqu'un veut entrer en communication avec nous, vous pouvez utiliser cet appareil. Y a-t-il des anciens patients ici avec nous? C'est la caméra là. Donc là, on est dans le noir total, on voit rien du tout. On avance vraiment avec nos caméras à vision nocturne pour tenter de capter une ombre ou quelque chose d'inexpliqué. En route.
y a le moteur là-bas, mais c'est des personnes. On va essayer d'avancer. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Il y a une sorte de petite pièce par là. Attends, je vérifie qu'il y a rien ça. Bon, c'est bon. Fais gaffe, il y a quelque chose. Alors, on arrive dans les douches. Y a-t-il quelqu'un de présent avec nous? Ça va filmer? La première personne. Le dispositif que j'ai dans la main, est-il une âme? Manifestez-vous, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Suivons l'aventure. On va refaire une quoi? Une pause. C'est un truc de ouf comment le site il est énorme. Depuis qu'on a capté avec le K2 et le Trifield, en fait, on n'a vraiment rien pour le moment. Donc peut-être qu'on aura des PVE sur les rushs vidéo. J'attends de voir. Et là, pour le moment, on va faire une petite pause et après, on va continuer. Donc, nous avons rencontré un groupe d'enquêteurs paranormal. Donc, je vais les laisser se présenter. Bon, bonsoir, moi c'est Yaito. Bonsoir, moi c'est Kenny. Bonsoir, moi c'est Ludo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu donc, quel est le nom de votre groupe, ce que vous faites ici, si vous connaissez bien le lieu, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme résultat ici? Ouais, bah, voilà, nous, c'est la Full Ghost. Et c'est, on va dire,
la 30e ou 40e fois qu'on vient ici. D'accord. On vient régulièrement. Et ici, on est dans la morgue. Et c'est ici qu'on a le plus de contacts, généralement. Et aussi dans le réfectoire, ici plus haut. Et donc, on a des baguettes, on a des cardeux. Le bordel. On a le bordel. Une petite balle en plastique aussi qu'on n'a pas pris. Voilà, qu'on met souvent à terre si. Il y a des enfants. Ah, s'il y a des enfants pour interagir avec. Pour interagir avec la balle en plastique. D'accord. Ouais, ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais, ça marche souvent ça. Une balle en plastique vite, ouais. Ouais, ouais, vraiment très légère. Très légère, comme ça ouais. Tu peux les voir se déplacer quand il y a un enfant. Ouais, c'est une balle du McDo, du Quick. Impeccable. Des bons produits, McDo. Voilà. Impeccable. Donc là, on va faire une petite séance. Donc Alex, je te laisse filmer. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Une petite séance avec des baguettes. Des baguettes. Ouais, des baguettes. Ah, bah, yes. On va faire un peu tout, je pense. D'accord, ok, ouais. Impeccable. Bah, je vous laisse commencer pour les baguettes. Ouais, vas-y. Je vais mettre un cadeau aussi ici. Ouais. Moi, j'en tirerai toujours dans la main, comme ça, il n'y a pas de soucis. Je vais mettre le tricycle. Ouais. C'est précis. C'est bon. Voilà, bah, je vais me positionner. Donc là, tu as des baguettes de sourcier, c'est voilà, ça ici, donc, j'ai bah, des baguettes de sourcier, donc ça interagit, on va dire, avec l'électromagnétisme, peut-être, ouais, je ne sais pas comment ils peuvent interagir avec. D'accord. Donc on pose des questions tout simplement pour répondre par oui ou par non. Donc par exemple, par oui, bon, bah, ça va être la baguette de droite vers la droite. Yes. Bon, la baguette de gauche vers la gauche, ainsi de suite. Bah, si c'est un homme, une femme, bah, de nouveau, baguette à droite pour un homme, baguette à gauche pour une femme. D'accord. Et s'ils ne veulent pas répondre, ils écartent tout simplement les deux baguettes. D'accord, bah, je te laisse commencer alors. Voilà, en général, on va se présenter comme d'habitude. Et puis, Ça marche. Bon, bah, bonsoir, moi c'est Gaëtan. Bonsoir, moi c'est Ludo. Et bonsoir, moi c'est Kenny. Bonsoir, moi c'est Alex. Bonsoir, moi c'est Thomas. Donc voilà, on est venu dans ces lieux faire une enquête paranormale. Donc s'il y a des entités, des esprits, des fantômes présents avec nous, n'hésitez pas à vous manifester par les K2, les appareils qui sont posés au sol. On va essayer de communiquer avec vous, avec les baguettes donc, que j'ai en main. Donc je vais me positionner et libre à vous de venir discuter avec nous. Je vais essayer de bien droit. Je le sens. Bonsoir, si une entité se représente avec nous dans ces lieux, est-ce que vous pourriez mettre la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît? Les deux baguettes, si vous avez pu passer. N'hésitez pas à aller à fond vers la droite. Ok, merci. Vous pourriez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Vas-y, mettez-les bien au centre, s'il vous plaît. Je vous monte un petit peu. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir si nous parlons à un homme ou une femme? Donc, pour un homme, vous pouvez mettre la baguette vers la gauche. Pour une femme, baguette vers la droite. Si vous n'avez pas envie de répondre, vous écartez simplement les baguettes. Donc, une vers la gauche, une vers la droite. On n'est pas là pour vous déranger, on veut juste discuter avec vous. On apprend un peu plus sur ce lieu, sur votre histoire peut-être. N'hésitez pas, vous pouvez interagir avec la baguette ou sur les K2 pour nous montrer que vous êtes là. Allez-y. Poussez sur la baguette pour avoir une réponse proche, s'il vous plaît. Vous pouvez venir même jusqu'à mon épaule, vous pouvez venir toucher mon épaule. Allez-y, n'hésitez pas. Soit vous avez l'énergie. Je vais pas passer derrière moi avec le cadre. J'ai froid dans le. Merci, vous pouvez mettre les baguettes au centre, s'il vous plaît.
peut voir que les baguettes sont parallèles. C'est impossible, j'ai déjà essayé des dizaines de fois de faire moi-même, de mettre les baguettes moi-même aussi précisément. J'ai jamais réussi. Jamais réussi ? Jamais. C'est impossible. Je sais les mettre, j'ai des plus ou moins droites au moment où je lève les baguettes pour les installer. À partir du moment où elles partent à gauche, à droite, pour les remettre comme ça, bon, si je dois le faire moi-même, elles vont partir trois à gauche ou trois à droite, je ne saurais jamais m'arrêter aussi précis. D'accord. C'est que là, elles sont vraiment bien parallèles. Si on regarde bien, ça ne bouge pas. Est-ce que vous pourriez nous indiquer plus ou moins votre âge, s'il vous plaît? Est-ce que vous seriez une dame âgée de plus de 50 ans, par exemple? Donc, si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. Positionne un peu après, je pense. J'ai l'impression que j'effleure un tout petit peu la baguette en bas. Je sens que ça tombe sur ma peau. Moi aussi. C'est plus léger depuis ta préparation de l'eau. Pour que ça puisse plus d'énergie. Je vais profiter pour replacer les baguettes. Je pense que je touche un tout petit peu en bas. Donc le pendule, tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Ben en fait, je pense que c'est la même chose. Ça capte aussi le magnétisme. D'accord. Et donc, ben, à droite, dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça veut dire oui. D'accord. Dans l'autre sens, ben, ça veut dire non. D'accord. Forcément. Et quand il va de droite à gauche, je veux dire ça comme ça, c'est qu'elle ne veut pas répondre ou qu'elle ne sait pas. D'accord. C'est le même principe qu'à la baguette, en fait, sauf que je peux le faire avec un pendule aussi, quoi. Voilà. D'accord. On peut poser les mêmes questions, questions-réponses. Voilà. C'est ça. Ok. Et là, ça dit oui. Ah. Donc, vous pouvez regarder, je suis fixe. Je ne bouge absolument pas. De nouveau, d'une personne à l'autre. Et ça dit toujours oui. Ça dépend un peu l'énergie que la personne à donner, enfin, je pense, moi j'ai toujours ressenti ça comme ça. Il y a certaines personnes. Un grand oui, s'il vous plaît, pour plus d'énergie, plus à la caméra. Plus de réaction avec les baguettes. Est-ce que c'est possible pour d'autres avec la Ouija, d'autres avec le pendule. C'est... Moi j'ai déjà eu des cercles, alors je pense. Voilà. Oh, impressionnant. Voilà. Allez-y encore, s'il vous plaît. Faites un plus grand cercle. Pour bien montrer, si ça ne vous dérange pas. Rien. C'est pas parce que toute ma main maintenant. Oh. Je bouge pas, hein, je te jure que. Ouais, je vois bien. Tu bouges pas. Je bouge pas de 1 mm. Je vais me poser la question la plus importante. Est-ce que notre présence vous dérange ici? Donc, pour oui, baguette à droite, pour non, baguette à gauche. Bouger, non. Oh, les deux sont. C'est grand, non. C'est grand, non. Comme on a l'habitude. On va garder aussi. Oh, c'est dingue. Je trouve ça un peu bizarre. Grand, non, même. Est-ce que vous venez de passer à travers moi? Oui. Donc en tout cas, merci à vous si on ne vous dérange pas. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Tu l'as dans le dos? Attends, bouge pas, je vais prendre le trifil. Regarde, ça vient de. Regarde. Oh, et les gars. Oui. Oui, vous êtes bien là. Vous tournez. Ça va? Ouais. J'ai regarde, ça bouge pas. Gros, ça va sortir de ma main. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je crois que je vous ai bien capté là. Je vous remercie. Allez-y, remettez les deux baguettes bien au centre. Est-ce que vous tournez autour de nous? Oh. C'est impressionnant. Ok, merci. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît. J'ai senti une tristesse. C'était une tristesse. Ouais. Et ça se voit, t'as les larmes aux yeux, non? Ouais. C'est le genre de truc qui m'arrive pas souvent. Est-ce que vous êtes triste d'être ici? Oh putain, pas qu'un peu. Et chez moi, ça balance de droite à gauche. Quand même, ça discute chez toi. Je sais pas où j'ai ressenti de fou. Moi, j'ai presque plus de rien. Regarde, t'as vu, maintenant, il va de droite à gauche, quoi.
Vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. Non, tu n'avais pas été déplacé. Merci. 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 Ouais, ils sont vraiment bien droits en plus. Et ça s'est arrêté aussi chez moi. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Peut-être trop longtemps pour vous? D'accord. Merci, vous pouvez mettre des baguettes au centre, s'il vous plaît. Merci. Donc, si je récapitule bien, c'est une femme de plus de 50 ans, qui est passée de 50 ans, qui est depuis longtemps. Qui est ici depuis longtemps. Qui est une grande tristesse. Oui. D'accord. Je savais, moi, c'est tellement intéressant. Il est chaud à mort, il est chaud. Je le savais. La dernière fois qu'on a été sur un autre lieu, on est venu pour ça. Les baguettes me suivaient. J'ai demandé à l'entité de me suivre et les baguettes me suivaient partout où j'allais dans la pièce. C'était une autre personne qui avait les baguettes en main et ça me suivait. Ça te suivait? Oh, c'est dingue. Et un ami qui était avec nous, ça le suivait de l'autre côté. Quoi, lui, et s'il allait d'un côté et moi de l'autre, les baguettes. Les baguettes venaient vers toi. Et là, ça, je place ça à toi. Ouais, ça joue avec les baguettes. Bien. Ça veut dire que c'est à toi. Vas-y, donne. Ok, je vais couper contact avec vous et je vous passe avec une autre personne. Explique-le avec le mal. Ouais, il faut bien serrer. Tu veux bien comme ça. Bien serrer, il ne faut pas essayer comme un malade. Gros. Il ne faut pas toucher ici. Moi, je garde le contact. Là, normalement, tu ne sais pas parce qu'il y a un anneau, donc tu ne sais pas comment on va interagir avec la baguette. Le but, c'est d'avoir les pouces, dans tes mains. Via le port 2, est-ce que vous êtes toujours là? Les doigts, tu décales un coup pour qu'une baguette puisse passer au-dessus de l'autre. Sinon, ils vont se taper tout le temps dedans et tu sais. D'accord. Voilà. Et alors, les doigts, les mettre bien sur les doigts. Toujours quelqu'un ici sur les bois et jamais sur les trucs. Si tu sens que tu touches ici, remettre un peu le. C'est mieux, ça va faire bouger. D'accord, pour ne pas toucher. Voilà, comme ça, tu ne touches jamais, tu es sûr de ne jamais t'agir. Donc, au départ, bien le mettre là, c'est plus facile. Et puis, monter tout doucement pour essayer de garder un maximum de niveau. Comme tu vas voir que ça va. Tu te mets en angle droit, 90 degrés. Et après, quand ça va les prendre en mètres, tu vas le mettre. Moi, je pense que. Ouais, tu vas comprendre tout de suite. D'accord. Ouais, t'as vu, j'ai ressenti comme si c'était une lâcherie. Donc là, essaye de mettre tes bras vraiment contre ton corps, comme ça, histoire que, comme ça, et les baguettes comme ça devant. Ouais. Là, tu peux les mettre comme ça, mais juste, toi, tes coudes. Pas grave, t'inquiète ça. Tes coudes comme ça. Sauf là, un coup, tu te décontractes, tes épaules, quoi. Tu te mets cool, tranquille. Voilà, tout simplement. Tu redresses un petit peu. Voilà. Au début, tu vois un petit peu trembler, c'est normal. Ouais, c'est normal. Je tremble beaucoup en plus. Voilà, c'est pas l'habitude. Donc, plus tard, peut-être écarter peut-être un petit peu ses jambes. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Mets-toi à l'aise, bien fixe. Tu souffles un coup. Tu décontractes tes épaules. Tu dis bonsoir, et puis tout simplement. Tu me mentis quelqu'un là. Bonsoir, moi c'est Thomas. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Si oui, pouvez-vous déplacer la baguette de droite à droite et sinon la baguette de gauche à gauche? Allez-y, vous pouvez aller jusqu'à mon épaule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Vous avez compris. Hein. Demande-lui s'il est avec sa fille. Si c'est la personne. Si c'est la personne qui est avec sa fille. Est-ce que vous êtes décédé ici? Si oui, pouvez-vous faire aller la baguette de droite à droite pour oui ou la baguette de gauche pour non? N'hésitez pas à aller jusqu'à mon épaule. Donc vous êtes bien décédé ici, c'est ça? Observe. On va dresser un tout petit peu les poètes. Juste les poètes, c'est normal que tu vas voir. C'est normal, tu les remets en bas et puis tu repasses une bonne base. Ça n'y a pas de souci. Et puis je tremble beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave, c'est normal. Il faut redresser. Comme ça. Ouais, voilà. Ok. Là, on va se mettre toute seule. Ouais, ça va se mettre. Ça va reprendre. D'accord. Ouais, ça reprend. Donc, vous êtes toujours ici avec moi. Si oui, pouvez-vous faire aller la baguette de droite à droite pour oui? Sinon, même pas besoin de les dire. Non.
Pas besoin de terminer, ça. Merci beaucoup. Pouvez-vous remettre la baguette au milieu, au centre, s'il vous plaît? Est-ce que ça fait une sensation dans le corps ou quelque chose? Ouais, ça fait bizarre, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui picote, ouais. Mm-hmm. Ben, voilà, ça fait c'est bien ça. Donc, il y a du bruit par là. Mais je pense que c'est une torche. C'est pas grave. Je vais quand même prendre mon temps. J'espère, quand ils vont voir ça, ils vont partir. Donc, vous êtes triste d'être ici, c'est ça? Si oui, pour oui, faites aller la baguette à droite. Pour non, faites aller la baguette à gauche. N'hésitez pas à aller jusqu'à mon épaule. Donc, vous êtes triste d'être ici. Merci beaucoup pour la réponse. Vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. Vous êtes contente de discuter avec nous? Si oui, pouvez-vous faire aller la baguette à droite pour oui? C'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est un peu précis. On nous fait une porte avec ça. Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? T'avais la réponse que t'as? C'est dingue. Là, t'es parti pour une heure. Là, t'es parti. Une heure de discussion. Êtes-vous là? La maman qui est avec sa petite fille de 10 ans ici. Si oui, faites aller la baguette à droite. Si oui, faites aller la baguette à droite. Sinon, faites aller la baguette à gauche. Très bon. J'aurais dit qu'il ne faut pas toucher. Y a-t-il encore la dame présente avec moi? Si oui, pouvez-vous aller faire aller la baguette à droite? Attendez. Wow. Je l'avais dit. Hein. Merci beaucoup. Pouvez-vous remettre la baguette droite au centre, s'il vous plaît? Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? La baguette de droite. La baguette de droite, pouvez-vous la remettre au centre, s'il vous plaît? Oui, des fois, ça n'écoute pas toujours du premier. Des fois, c'est ça. Bon, ben. C'est bien ce que je viens de dire. Des fois, c'est pas parce que ça veut. Donc, vous ne voulez pas remettre la baguette, les baguettes au centre? Bon. Êtes-vous bien? Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? C'est moi qui vous le demande. Merci. Est-ce que vous êtes toujours bien la dame de tout à l'heure avec qui on parle? Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît? Réellement? Oh, c'est dingue. D'accord, ça va. Merci. Merci beaucoup. On vous croit. Parce que des fois ça peut arriver, mec, ça change. Mec, que tu parles avec une autre personne qui est là pour, s'amuser. C'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'il faut. Mais via les baguettes, un peu comme la police, quoi, si tu veux, un peu. Pas trop trompeuse. Comme ça tu sais, un peu trompeuse, comme ça tu sais à qui vraiment tu as affaire. Ils ne tracassent pas par les baguettes, on n'ouvre pas de porte, il y a rien. Tu peux mal. Donc, au moment où tu veux couper la conversation, tu arrêtes. Tu attends que ça dise oui avant de couper la conversation. Ouais. Et puis après, tu laisses les baguettes terminées. Il n'y a plus. D'accord. Il n'y a pas de porte qui sont ouvertes. Pouvez-vous remettre la baguette de droite au centre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez remettre la baguette de droite au centre, s'il vous plaît? Allez-y, poussez bien sur la baguette. C'est bien qu'elle ne veut pas. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas remettre la baguette de droite au centre? Si oui, faites aller l'autre baguette à droite, s'il vous plaît. Vous ne voulez vraiment pas?
D'accord, merci beaucoup. Pouvez-vous au moins remettre la baguette de gauche au centre, s'il vous plaît? C'est fou, hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous êtes avec votre fille ici? Est-ce que votre fille est présente avec vous? Si oui, faites aller la baguette de gauche à droite. C'est bon. Merci beaucoup. Pouvez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? La baguette de gauche au centre, s'il vous plaît. Apparemment, à la droite, vous voulez la laisser sur les boules. Donc... Mais c'est bizarre, je te jure, ça me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appuie sur l'épaule droite. Est-ce que vous laissez la baguette de droite comme ça pour être sûr de rester avec Thomas et de discuter avec lui? Oh, c'est un truc de... Merci. Merci beaucoup. Je ne pars pas pour le moment, je reste là. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec Alex? Tu veux essayer, Alex? Ouais. Là, je peux stopper. Ouais, tu dis merci. Merci. Merci beaucoup pour les résultats. Merci beaucoup pour les résultats. Je vais maintenant passer des baguettes de sourcier à Alex pour qu'il puisse communiquer avec vous. Est-ce que vous remettez la baguette au centre, s'il vous plaît? Je vais prendre un cadeau, je vais faire un petit tour. Si j'ai faim de lire dans le fond, je vais regarder voir ce qu'il y a à lire. Je vais prendre un petit tour. Êtes-vous contente d'interagir avec moi? Si oui, mettez la baguette à droite. Allez-y, n'hésitez pas. Et sinon, la baguette à gauche. Oh. Allez-y, n'hésitez pas. Merci. Vous pouvez la remettre au milieu. Vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît. De droite. Est-ce que je vous dérange? Si oui, la baguette de droite à droite, sinon la baguette de gauche à gauche. Wow. C'est un bon petit nom. Hein. Merci. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Oui, je les sens grincer. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, tu les ressens dans ta main grincer. Oui. C'est dingue. Alors que t'as vu, quand tu les fais comme ça, ça ne grince pas du tout. Et t'as vu comment ça s'arrête net, Alex? Si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez passer au travers de moi? Si oui, baguette de droite à droite. Tu ressens un truc, Alex? Alex? Hein? Tu ressens un truc? Ouais, t'avais l'air un peu à l'ouest. Ouais. T'as vu? T'as eu une absence, Alex. Tu sais qui t'a appelé? T'as entendu? Je t'ai appelé, moi. Quand? Là, je te parlais et tu t'as mis du temps à me répondre. Ah bon? Les baguettes, elles ont rien fait. Je crois qu'à un moment donné, je crois que c'est toi qui étais. Ouais. Je crois que ça a bien fait ce que t'as demandé. En fait. Ouais, ça a fait ce que t'as fait parce que je te jure, attends, je vais te montrer le rush. J'ai déposé aussi. Donc c'est bien eux qui. On le voit pas, mais il y a de la fumée. Ouais, regarde.
qu'il y a 10 minutes ou un quart d'heure, il n'y avait rien du tout ici, ça se passait très bien, on n'a rien eu. Ouais, il faisait bon en plus, c'est ça le truc qui est fou. On avait très bon. Là, ça a lâché. Et là, mon ami a froid aussi, je crois. Ouais, il fait. Ah ouais, tu regardes. Ah, c'est con. Attends, je vais essayer de repasser. Je vais voir les frissons d'Alex. Ah, il fait bien frais là. Ouais. C'est ça qui est fou. Je me tourne. Je me mets dos à lui, comme ça je ne vois pas ses réponses. Tu ne vois pas ses réponses. Allez-y. Mettez les deux baguettes au sort, s'il vous plaît. Il se passe un truc. Ça va faux. Viens voir. Regarde. Il est en 4 corps, regarde comment c'est flou. T'as vu? Moi je suis flou. Taken, t'es tout flou. Ouais. Tu vois? Ouais. Vous dis qu'il y a quelqu'un. Ouais, vous êtes flou. Vous êtes vraiment flou. Il y a quelqu'un qui tourne autour de nous, mais. Attends, j'essaie là, et là... Ah, putain, j'ai des frissons partout. Ouais, c'est... Wow, c'est fou parce que là... Est-ce que vous êtes autour de nous? De moi et de Gator? Allez-y. Un gros oui. Ouais, c'est un gros oui, je le sens, j'ai des frissons partout. Ça me prend mon énergie. Je sais pas si vous me voyez peut-être. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça quoi? Est-ce que quelqu'un est encore avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez mettre la baguette à droite? Deux. Merci. Vous pouvez la remettre au centre, s'il vous plaît, que je puisse vous poser une autre question. Vous pouvez arrêter de bander, s'il vous plaît. Mettez la baguette de droite au centre, si vous voulez bien. Allez-y. Poussez bien la baguette. Ouais. C'est marrant, ça te fait le même truc que moi tout à l'heure. Ça revient. D'accord, merci. Bien. Hop là. C'est bien. Hop, ça joue et puis tout. Ça se calme. C'est ça le truc, et ça se met direct. Mmh. Moi c'est bon, c'est au centre. Tu vois? Donc j'aimerais bien savoir si vous êtes un homme ou une femme. Donc pour une femme, baguette à droite, s'il vous plaît. Et pour un homme, baguette à gauche. Je sais sur mon point de vue aussi, en même temps. Je suis à droite. Moi je suis à droite. Ouais, vous êtes tous les deux à droite. Ouais. Je vais filmer le pendule aussi. Et je ressens encore le froid dans le dos. Le froid. Vous pouvez mettre la baguette au centre, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter le pendule aussi, s'il vous plaît. Allez-y. Et j'ai de très bonnes réponses. Moi, j'ai une très bonne sensation. En ah ouais, moi aussi. Super. Détendu, relax. Ouais. Ça me dit oui. C'est mon mois de tristesse, je pense. Ouais. Et par contre, toujours autant. On communique avec vous. Vous appréciez communiquer avec vous. Tout ça vous apaise. J'ai un grand oui. Ouais, vous avez tous les deux un grand oui. D'accord, merci. T'as quoi? J'ai des gros frissons depuis tout à l'heure. T'as encore froid? Ouais. Je viens d'entendre un bruit là derrière. Donc on le répète, nous ne sommes pas des grands youtubeurs. On n'est pas là pour faire du fake ni pour s'amuser. À cette heure-ci, je pense qu'on aurait autre chose à faire. Comme un peu tout le monde, je pense. Hein. Ouais, ça, c'est voilà. Sûr. On n'est pas là pour s'amuser. En aucun cas, on ne triche ni quoi que ce soit. Donc j'ai quand même à le préciser quand même. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Je peux vous poser une autre question. Allez-y. Et moi aussi, ça jouait. Ça allait un petit peu à droite, un petit peu à gauche, regarde. Oh, j'ai une main sur mon épaule, j'en suis sûr. T'as une main sur ton épaule? Ça vient de me pincer le poignet. Pour moi, j'ai une main sur mon épaule. Ça vient de te pincer. Attends. Est-ce que... Sur quelle épaule? Sur l'épaule gauche. Est-ce que vous tirez sur mes bras? C'est comme si t'appuyais dessus, comme si t'appuyais sur mon épaule. Et moi, où là?
Oui, ça va. Est-ce que c'est vous qui me touchez l'épaule? Est-ce que vous pouvez faire des très grands cercles si c'est vous? Est-ce que vous pouvez mettre deux baguettes au sort, s'il vous plaît? Je ne bouge pas d'un millimètre. Je vois ça. Vous pouvez faire encore des plus grands cercles, c'est possible pour vous? Est-ce que c'est vous qui faites ces sensations-là dans mes bras, dans mes poignets? Tu as toujours la sensation qu'on te touche l'épaule? Ouais. Ouais, et moi les poignets, et regarde, ça me dit c'est un grand oui. Et écoute les baguettes. Au niveau des poignets, tu as senti comme si. Ouais, moi ça me touche les poignets. Les baguettes, elles grincent. T'as entendu, ouais? Ok. Est-ce que vous prenez votre énergie en me touchant l'épaule? Parce que c'est pour prendre notre énergie et vous me touchez. Moi, je vois que c'est le ça. Ouais. Moi, je vois, oui. T'as un vu aussi? Voilà, tu vois. Ouais. On va en discussion. Oh, c'est fou ça. Ah oh, ouais. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Donc c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que hein, les entités, enfin toutes les âmes, ils ont besoin d'énergie et ils peuvent prendre aussi notre énergie à nous, celle de nos appareils et celle aussi à nous personnellement. C'est comme ça qu'ils communiquent. C'est grâce à notre énergie à nous qu'ils arrivent à communiquer encore plus ou plus fort avec nous. C'est ça. Donc est-ce que vous êtes décédé ici dans le bâtiment? Oui. Oui. Ouais, vous avez un 8 tous les deux. Jusqu'à maintenant, on a 100% de bonnes nouvelles de même réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez-y. C'est quand même très peu probable. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, vous êtes, c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes vraiment dos à dos, donc vous ne pouvez pas voir les réponses que l'un et l'autre avaient. Donc, vous êtes décédé dans ce bâtiment-ci. Est-ce que vous étiez de la région? Vous étiez de la région? Ah, bonne question. Oui. Ouais. Merci. Merci à vous. C'est comment la maladie qui a eu si vous? La tuberculose. Ouais, j'allais y arriver. Gros. Êtes-vous décédé de la tuberculose? Si vous n'avez pas envie de me dire votre décès, vous pouvez écarter les baguettes si vous le souhaitez. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas envie d'avant, en arrière. Et là, ça répond pas. Donc vous êtes. Avant en arrière aussi. Ouais, donc je précise là, quand c'est. D'accord. Vous n'avez pas envie de répondre. Vous n'avez pas envie de répondre sur votre désir. Ouais, pareil pour moi. Ouais. Il n'y a pas de souci. Okay. Avant en arrière. Merci. Ça va de devant. Merci arrière, beaucoup. Que... Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît. On ne vous demandera plus. Il n'y a plus de souci. Il n'y a pas de souci. On ne vous posera plus la question sur votre désir. Voilà, si vous n'avez pas envie de parler de ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, une dernière petite question sur votre décès, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes décédé? Donc, longtemps, je veux dire, entre... Il faut donner notre... Ah, plus de 50 ans. Ouais, plus de 50 ans. Que les entités qui décèdent, ils sont bloqués dans leur temps. Ils sont exemple, bloqués dans leur temps, ouais. En 1980, ils voient toujours le bâtiment comme 1980. Comme eux, d'accord. Voilà. D'accord, ouais, eux, ils voient le bâtiment. Tout à fait. D'accord. Quand on leur demande, par exemple, savez-vous que nous sommes en 2021, en général, c'est non. D'accord. Ouais, donc en fait, ils n'ont pas de notion de temps non, quand non, ils sont. En fait, ils sont bloqués dans leur temps, dans leur temps à eux, dans l'année où c'est qu'ils sont décédés. Ils fichent dans la pièce où ils sont décédés. Voilà. D'accord. L'âme peut-être quitte le. Enfin, je pense au produit ou plutôt l'âme qui quitte le corps. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. L'âme en fait, qui ouais. quitte le corps reste dans la pièce. Ouais, en gros, dans l'ancien temps, quand, voilà, on disait toujours que un corps, son âme quitte le corps après 3 jours. D'accord. C'est pour ça qu'il y a une loi qui est passée et qu'on doit attendre 3 jours. On doit attendre 3 jours. Pour enterrer quelqu'un parce qu'il y a trop de personnes qui se sont réveillées dans les cercueils. D'accord. On voyait des traces de griffes sur les couvertes. Ouais, Ah, ok, ouais, donc ouais, c'est ce qui explique maintenant qu'il y a besoin de 3 jours. Dans la religion, je pense que c'est dans la religion. Ouais. À ce moment-là, on disait qu'il fallait 3 jours pour que l'âme puisse quitter le corps vers
paradis ou enfin, d'accord. La fille après la mort, quand voilà. Tu meurs, tu perds systématiquement 21 orbes. Ça je peux pas dire. J'ai jamais entendu. Est-ce que vous pouvez confirmer que ce qu'on vient de dire, que, par rapport aux années, ce que l'on vient de dire à propos des années, voilà, que vous êtes bien bloqué dans votre année. Est-ce que vous voyez le bâtiment tel que vous l'avez, tel qu'il était avant? Ouais. Attends, regarde. Ah ouais. Elle vient de se bloquer, mais. Attends, je débloque un peu. Voilà, désolé. Ah ouais, donc ouais, ils sont. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un grand oui en plus. Hein. Ouais, ça a été. Merci à vous. Merci beaucoup pour les réponses. Donc, merci. J'avais une petite question à vous poser. Avez-vous affaire alors dans ce bâtiment aussi? Alors, si vous êtes arrivé ici, infirmière ou. Est-ce que vous avez travaillé dans le Travaillez-vous ici? Voilà. T'as quoi, Will? Non. C'est bizarre. Ouais. Enfin, c'est non, mais c'est un peu mitigé en fait. Ça attends, pas, ça fait pas. J'ai eu un oui, regarde un peu. Ça fait pas vraiment des cercles, ça va de gauche à droite. Ah ouais. Ouais, les baguettes sont. Putain, la vache, c'est. T'as vu? Elles sont. Ouais, elles sont. C'est fou. Bah non, tu peux pas le faire. Ça, tu peux pas le. Ouais, bah non, tu peux pas. Putain, c'est juste. Les gars, K2. Lequel? Le mien. Je l'ai vu. Le mien. Il va te s'allumer. Pouvez-vous retoucher le K2, s'il vous plaît? Touche à droite dans le même sens où les deux baguettes elles étaient allumées. Allez. Non, je vois pas de quoi être là. Qu'est-ce qu'il a vu le K2 en même temps que moi? Moi, j'ai vu le K2. Pouvez-vous retoucher? Il est allé jusqu'au jaune. Allez-y, n'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez retoucher le K2? S'il vous plaît. Si vous voulez bien. Moi, je oui. Et j'en suis certain, c'était pas un clignement de l'œil. Moi, j'ai des frissons partout et j'ai un grand oui. Allez-y. Dis-moi, j'en suis certain. Hop, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Regarde rien. Tu dis merci? Merci beaucoup, boum, ça vient de se remettre au milieu. C'était toujours en oui, c'était collé à mon épaule, les deux. On a dit, ah, très bien, merci beaucoup. T'as froid? J'ai froid derrière, là, maintenant, tu sens pas. Si, regarde. Je crois que je l'ai eu, la fumée. Attends, je vais regarder. C'est possible pour vous d'activer, par exemple, le cadet plus longtemps, peut-être. J'ai froid derrière, tu sens pas, toi. Voilà. Est-ce que vous pouvez encore réactiver l'appareil? Est-ce que c'est possible pour vous? Vous ou si c'est une autre, peut-être une autre. J'ai le trifil qui s'est activé. C'est vrai? Ouais. Ah, tu l'as en caméra? Ouais, je l'ai. Attends. Ah, tout bon, merci beaucoup. T'as vu quelque chose? Oui, il y a quelqu'un en haut. Non, je crois que c'est lui qui a eu de ce matin. Non, non. Et j'ai entendu un juste là. Ah oui, c'est ça. Ah ben ça va. Pas le seul. Qui nous observe? Allez-y. Si vous voulez bien faire. J'ai entendu ça gueuler. Ouais. Si vous voulez bien refaire aller un appareil. Vous pouvez faire peur aux gens aussi qui sont là, là, comme ça, ils vont partir pour se faire qui. Allez-y. Tu l'as vu, merci beaucoup. Tu viens de le voir aussi. Tu l'as vu? Ouais, il a été jusqu'au dos. Hein. Ouais, tu regardes. C'est un peu la conversation comme ça, mais on a été tellement. C'est un peu. Content de voir le K2. Waouh! Le K2, il a fluctué aussi. K2. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez constater qu'on n'a rien dans nos mains, dans nos poches. On n'est absolument pas là pour s'amuser, je le répète. Mon K2 ne réagit pas, il n'y a pas d'aimant, pardon. Il n'y a pas d'aimant dessus. Non, non, ici non plus, c'est. Il n'y a rien du tout. On peut voir que. On peut passer aussi. On peut passer ici. Les lampes, c'est pareil. Voilà. Voilà, on vous prouve. Parce que. On a mis téléphone. Donc on est vraiment content d'avoir eu un signe de votre part.
Donc n'hésitez pas à refaire aller l'appareil. Oh, oh, t'as vu le cadeau, t'as vu il s'est emballé le cadeau. Le cadeau, il s'est emballé. Le cadeau s'est emballé. Et non, aussi, que je demande, t'as vu. Vas-y, essaye. Activez mon cadeau aussi, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Faire aller tous les appareils en même temps, si c'est possible pour vous. Wow. Merci. C'est juste fou. N'hésitez pas à le refaire parce que on est vraiment. Tiens, tu peux prendre aussi le trifil dans la main, comme ça on les voit, on les met les trois. On est vraiment content. Il est possible pour vous d'activer par le K2 jusqu'à la dernière lumière, jusqu'à la rouge. Vous pouvez peut-être le prendre en main, vous le gardez en main peut-être. Si vous pouvez approcher les appareils d'un peu plus près. C'est souvent comme ça qu'on a. Si vous voulez bien. Vraiment pour qu'on voit que vous êtes bien là. Si vous voulez, je peux mettre la lampe, je vais la mettre vers le bas pour. Allez-y. Vous pouvez prendre l'énergie de la lampe peut-être en même temps. Si c'est possible de faire aller tous les appareils en même temps. Oui, c'est le rouge. Allez-y à moi maintenant, s'il vous plaît. Au milieu. Vous venez de toucher Gaïtor. Bah, passez sur mon appareil. S'il ouais, vous plaît. Et sur le trifilde aussi. Donc, si c'est possible de faire aller vraiment les trois en même temps. Attends. Si vous voulez bien. Le mien aussi, il a réagi, le trifilde, il a réagi. Reposez-vous. Mais dès que. Si vous avez encore assez d'énergie pour faire aller les appareils, plus vous allez les faire aller, plus on sera content. On va dire ça comme ça. Si je mets ma main, par exemple, à côté, que vous touchiez ma main, prenez un peu ma main. Prenez-moi la main si vous pouvez. Allez-y. Faites aller les appareils si vous voulez bien, comme peut-être une petite fois. Oh le tien. Donc on vous le répète, on est la full ghost. Hein. Si vous voulez pas des t-shirts, des casquettes. Non, je rigole. Non, je déconne. C'était pour une voilà, on est sérieux. On n'est pas là. On n'est pas là pour. Un petit moment de. Petit moment d'humour. Pour faire ça moment d'humour. Faire. Juste voilà. Ça. Donc je ne sais pas, vu que vous réagissez à ma voix, est-ce que c'est possible de refaire aller les appareils? S'il vous plaît. Allez-y, revenez toucher les appareils. J'ai froid ici. Mm-hmm. Allez-y, venez toucher les appareils. Approchez les appareils, touchez-le. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la piscine? Si oui, vous pouvez activer le ADK2 par jusqu'à la lumière jaune. Vous l'avez déjà fait la deuxième, troisième lampe, on va dire. C'est peut-être plus facile dans le lieu de la piscine, peut-être. Et si vous ne voulez pas, ben, vous allumez peut-être celui du dos. Allez-y, si vous voulez bien faire aller les appareils. Ça, c'était vraiment pour vous faire remarquer. Oh, t'as vu? Voilà. C'est le tien qui a fait piscine. Donc, mais c'est bizarre qu'à chaque fois que je le demande, ça fait aller les appareils. J'ai l'impression que ça réagit à ta voix. Tu vois, quand tu poses une question, j'ai l'impression que c'est vraiment... Je demande à chaque fois, est-ce que vous voulez bien? Est-ce que vous voulez bien? C'est notre DJ. Tu vois, donc vous êtes d'accord avec ce que Gaëtan vient de dire? Que vous réagissez à ma voix quand je vous demande de toucher les appareils. Je te vois aussi, peut-être qu'ils entendent plus la voix. Allez-y. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille à la piscine? Si oui, pouvez-vous déclencher l'un des dispositifs jusqu'au jaune, comme tout à l'heure. Si vous voulez bien, s'il vous plaît. Pour nous confirmer. Tu aurais peut-être pas s'écarter, est-ce que ça va plus... Et la confusion. Excusez.
ça va pas réagir ensemble. Non, ça réagit pas. Ne faites pas attention aux gens qui sont. Voilà. Le tien, il réagit. Et lui aussi. Je viens de dire. Il a réagi aussi, le trifle. Ouais. J'ai dit ne faites pas attention aux gens qui sont avec nous et. C'est fou. Ça a réagi. Donc, vous voulez bien qu'on aille tout près de la piscine pour essayer d'avoir d'autres contacts avec vous? Si oui, activez les appareils, s'il vous plaît. On va au niveau de la piscine. Ouais, on y va. On va se déplacer. C'est parti. C'est bon. Donc voilà, on va clôturer notre séance paranormale pour aujourd'hui. Donc il est 4h15 du matin, on a passé une bonne partie de la nuit. Donc on est servi principalement dans la morgue, on a eu beaucoup de résultats au niveau des K2, de l'appareil, je ne sais plus le nom de l'autre appareil. on a eu beaucoup de résultats avec les baguettes, beaucoup de ressentis. Donc on a la personne ici à côté de nous qui a posé quelques questions à savoir s'il pouvait passer à travers, ou il a eu on va dire, un petit moment d'absence assez... C'est spécial, on va dire. Ah bah ouais. On ne sait pas vraiment comprendre ni expliquer. Moi, j'ai déjà eu ça aussi. D'autres personnes ont déjà eu ce petit moment d'absence où on se demande ce qui se passe à ce moment-là. Ce sont les ressentis en général qu'on ressent chaque fois qu'une entité nous touche, nous traverse. Je veux dire, on a cette sensation de froid, de picotement qui nous monte dans le corps. Donc, ici, on a essayé de demander si vous voulez qu'on se déplace. Ils vont diriger ici vers la piscine, mais malheureusement, on n'a pas encore eu de réaction au niveau du K2 ni la Spirit Box. Donc, on a décidé de clôturer pour aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu et sûrement ou peut-être une prochaine fois. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Donc voilà, c'est comme ça que termine l'épisode 2 de PRI. Donc abonnez-vous et à bientôt pour un prochain épisode. Après avoir vu cette enquête de PRI, nul doute que cet endroit est sujet à des phénomènes paranormaux. Ils ont réussi à prouver, comme moi avec mon équipe, qu'il existe bien une vie après la mort. Si vous aimez cette vidéo, comme moi, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube pour suivre leurs aventures dans le monde du paranormal. Vous les trouverez également sur Facebook et Instagram pour plus de frissons. À bientôt pour un prochain épisode.